Mais j'aime pas cette musique, pourquoi je l'ai en tête? C'est à cause de toi. Non mais je l'aime bien. C'est nul. T'es gay. Ah, mais enlevé mon coussin. Je te rappelle que je fais 10 cm de moins que toi. Donc on me respecte, on me laisse mon coussin. C'est gênant. Moi j'aurais chaud. Mince, mais moi là ça m'a stressé, je regarde l'écran. Mais non, faut regarder ça. Meuf. Putain, moi aussi. Mais oui. I just wanna rolly 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 with a dab of ranch. I already got some designer to hold on my pants. Coucou tout le monde, c'est Coco Liner. Back sur YouTube. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec... Malala. Donc aujourd'hui on voulait faire une vidéo un peu posée, un peu calme et tout. Donc en fait on va se préparer devant vous. On va se maquiller, voilà nos têtes pas très fraîches. Du coup voilà, on va se préparer devant vous, on va mettre un peu de musique et tout. Et on va essayer de s'amuser un peu ensemble. Donc on espère que vous allez aimer et on vous laisse avec la suite. Tu commences par quoi meuf? Pas le temps non. Tu sais qu'il y a grave des gens qui peuvent nous voir. S'ils se mettent genre sur leur balcon, c'est voir deux meufs qui se maquillent. Bon c'est pas grave hein, écoute. Bah surtout qu'on est à côté de la fenêtre. Ouais grave, en mode trop on se sent fraîche. Mais non, on met la musique, on met du relax. Vas-y. Toi t'aimes bien les anciennes non? Non mais mets celle-ci, j'écoute et je te dis si j'aime comme ça. Ok, moi j'aime bien. Attends. C'est quoi cette arnaque s'il vous plaît? Il y a zéro pépite de chocolat. Bah go, sale grosse. Tu la connais celle-là ou quoi? Non. Elle est nouvelle, ça c'est une de ses dernières. Ah mais il a... Et il a fini là. Il a sorti la dernière en disant bon bah c'est la dernière genre... la dernière de par semaine, une fois par semaine quoi. Les sourcils me stressent. Ça c'est la dernière musique. Tu vois j'ai déjà entendu. Elle est pas mal sur elle. Je sais pas si elle a déjà fait écouter. Non mais là non. Ça... Oh, j'ai une peau. Je n'ai même pas de comparaison tellement elle est moche ma peau. Toi tu fumes ça comme je mange, c'est pas possible hein. Non. Moi faut qu'on fasse des petits challenges un peu. Genre tu dis One truth, two lies. En gros, tu dis une vérité et deux mensonges. Moi, j'aime pas trop, mais ça peut être marrant. Grave cool. Mais sauf qu'on se connaît beaucoup trop en fait. Ouais, sur l'enfance ou un truc comme ça, genre les trucs gênants. Putain, mais cette chanson, c'est Jeanne qui critique, mais c'est Jeanne qui écoute. Non, mais je vous jure. Mais oui, mais au début, je l'aimais pas en fait. Mais je sais pas, tu l'as trop écouté. Jamais. Parce qu'elle l'a écouté en fait au tout début, genre quand personne l'écoutait. Et moi, j'étais en mode, c'est quoi ça? Et je sais pas maintenant. Je sais pas, elle me fait rire en fait. En soi, j'ai pas fait genre énormément de conneries à l'école, c'est juste que bah, je faisais trop la rebelle. Moi, j'étais une grosse peste. La maîtresse, quand elle me disait va t'asseoir-ci, je partais, bah non, j'ai envie d'aller aux toilettes, je partais. On aurait été meilleure peintre, on aurait fait un gang de peste. Non, j'étais vraiment méchante avec les profs. Ah ouais? Non, genre, moi, avec les profs, disait, ça va. Moi, avec les profs, mais ça avec va. Ce garçon-là, je disais, ah non, mais je l'aime pas, je m'en vais et je partais. Ah ouais, non, moi, non. Oh non, à ce point-là, non, moi, avec les profs. Elle envoyait mon père me chercher parce que ça allait très bien qu'au final, bah, elle allait être convoquée pour moi. Oh non! Et genre cette maîtresse là la paume mais vraiment genre j'étais trop méchante avec elle. Bon alors vas-y genre déjà je me poudre le tout parce que j'ai déjà vomi sur un élève. Ma cousine a failli perdre un doigt à cause de moi. Et j'ai déjà fugué de l'école. Je sais. C'est quoi? Je sais, c'est ta cousine. Tu m'as déjà raconté. La paume. Mais oui mais genre son doigt skip il était vraiment en sang et tout non? Oui donc en fait je faisais du vélo avec ma cousine. Et je sais pas je voulais trop qu'elle me pousse. Genre je languais, je t'allais vas-y s'il te plaît pousse-moi. Mais what? Et genre, là, non mais c'est bon je vais pas te pousser ou je sais plus ce qu'elle. Bon après je fais non mais s'il te plaît je vais plus te parler ou je sais plus quoi. Et au final elle m'a poussée et tout, elle allait super vite parce que je crois j'ai freiné ou je sais plus quoi. Et son doigt était rentré dans je sais pas quoi. Genre elle était comme ça en doigt en sang, j'étais en mode ah oups bah c'est moi. En plus je savais pas quoi dire et tout, elle va se reconnaître. Ah ouais c'est chaud. Moi je débarque en mode houhou. Ok donc moi je vais faire sur plutôt sur les cours. Genre parce que pour quand j'étais enfant je sais pas j'ai pas trop d'idées. Donc alors en 1 j'avais déjà genre répondu à un prof. Mais genre vraiment tellement sec que genre j'avais été dans le genre dans le bureau du professeur et tout. Ça peut être trop toi ça. En 2 je m'étais déjà fait choper en ayant triché. Mais genre vraiment genre il a tricard quoi. Et en 3 j'avais pas pris mon sac. Donc je suis arrivée genre j'avais rien du tout. Je m'en suis rendu compte en arrivant du coup bah je pouvais pas faire marche arrière. Du coup genre j'ai demandé tout à mes potes genre j'avais rien du tout. Allez go. Je sais pas parce que vraiment genre répondre à un prof toi c'est possible. Non, je suis gentille. Ah, bien sûr. Deuxième, c'était. Je me suis déjà fait vraiment tricard, genre quand j'ai triché. Genre. Non, je pense pas. Ah ouais? Genre, tu fais tout le temps de soum-soum. Non, mais je te vois bien, j'ai oublié ton cartable. Enfin, ah merde, j'ai pas pris mon cartable. Et tu dis ça? Ouais. Non. Je me suis déjà fait tricard en train de tricher, mais genre vraiment, genre pas pendant, genre après, il a regardé nos copies, il a fait non, t'as triché. Oui, dans ma vie, j'ai déjà triché. Oui, non, mais vraiment. Genre, moi, il a tricardé, mais genre. J'ai déjà triché, même un prof, en fait, genre, il faisait toujours les mêmes contrôles, il s'en battait les couilles jusqu'au jour. Ah oui, où il a fait genre un contrôle. Ouais, j'avais même prof de physique. J'avais même prof de physique à chaque fois. À chaque fois, on s'était avec mes potes, et un jour, il a mis sujet A, sujet B. Mais j'avais eu 7 ans, il avait même pas tricardé, j'ai cru que j'allais avoir 0. Moi, j'étais persuadée, c'était obligé. J'ai mis la dose là, non? Des équations et tout. Un peu. J'ai oublié qu'il était trop fort celui-là.
Moi aussi j'ai une anecdote, genre c'était en quatrième ou je sais plus quoi. Genre t'avais un prof, c'était un gros con et genre il nous aimait pas. Ouais. Et je sais pas, on devait utiliser. En fait il me donnait des trucs en plastique. Et genre en fait ce jour-là il y avait une sorte de stylo. On a pas rebouché. Il nous avait convoqué je sais pas quoi pour un stylo. Et genre il lui a reparlé de ce putain de stylo. Je pense que mon père m'a fait... Il lui avait fait une phrase en mode on s'en bat les couilles, me faisait engueuler comme jamais pour un stylo, mon père qui en rajoute. Pour ceux qui connaîtraient pas l'histoire, cette chanson, je vais pas tout expliquer parce que on hier. Explique pendant une demi-heure. J'ai tout expliqué hier, c'était très long, mais en gros, c'est une fille qui s'est fait tromper par un mec et il a fait avec tous ses potes qui étaient avant les potes de la fille, c'est pas très français, une chanson pour l'attaquer elle en gros. Alors que c'est lui qui l'a trompée. Du coup, bah, elle a riposté, on va dire. Il y a tout le monde qui s'est mis contre elle alors qu'elle avait rien fait. Donc allez la voir et allez écouter la musique. Mais je suis rouge là. J'ai extrêmement chaud là. Je suis pas encore du tout prête en fait. Bref, je t'appelle. On va peut-être commencer les yeux hein, parce que là... Ah oui, j'avoue, on est 15 ans. Comment attendrir Marina? Tu veux un petit Louis? C'est vraiment une grosse pute. C'est la base les petits Louis. Moi j'ai quoi? Une clé. Non, mais moi, j'ai... Et c'est nul. T'as pris le mien. Mais en vrai c'est la base. Hein. Meilleur truc au monde. J'ai mangé des cookies moi avant. Ah ouais, c'est ma préférée. Tout au long de la vidéo, je suis comme ça, mais en fait, mais c'est oui, parce que bah, je recherche la lumière. Mais en fait, on a pas du tout les mêmes styles musicaux, mais du coup, c'est marrant parce que genre, on se fait chacune écouter nos musiques. Vas-y, mets-en une que t'aimes bien, genre juste pour que je vois un peu. Moi, je vais peut-être attaquer les yeux, peut-être un jour, parce que je vous explique d'habitude, on met genre même pas 5 minutes, enfin peut-être pas 5 minutes, mais. Ouais, j'avoue, on met vraiment pas longtemps, et là, genre, on est en train de parler. Qu'est-ce que je l'aime bien? Il est pas connu. Après, je sais laquelle je vais mettre. Je te dis pas. Surprise! Enfin, t'aimes bien, genre, tu t'en fous en fait, c'est pas que tu l'aimes pas ou que tu l'aimes bien. Genre, enfin, c'est pas que j'aime pas, genre, j'aime bien la voix et tout, mais. Y'a pas trop de. Raconte un truc gênant. Qu'est-ce qui t'est arrivé, genre, une grosse honte? Forcément, il y a des trucs gênants, t'en as partout. Ta gueule! Qu'est-ce que tu fais? J'aime trop ce phare. Non, mais montre-le. Lui. Ça, c'est le meilleur phare au monde. Ah, moi, j'ai mis de l'eau dans ma palette. L'émission commando de Marina, c'est quand même quelque chose de fameux. Mais ils sont pas de sa mère. Bah ouais. Le problème, c'est que j'ai mon frère qui me regarde, donc... Si je me mets comme ça... Moi, bah, j'ai pas une anecdote, genre... Qu'est-ce que j'ai comme truc gênant, genre nul ou... Juste chiant, tu vois, genre on s'est perdu. On est des meufs à galère. Non mais vraiment, mais moi, c'est un truc de ouf. Bon, moi je crois que j'ai fini le liner. C'est horrible, on rend ultra blanche sur cette caméra, ce n'est pas le cas. J'ai envie là maintenant, t'as maqué. Et 2 secondes avant, on nous fait non. Non. En plus, le maqué, c'est moi qui t'ai fait découvrir, c'est ma faute. Demandez une recette à Jeanne. Je vous jure. On va faire de la cuisine sur ma chaîne, ça va être cool. Comment réussir son maqué en moins de 3 minutes? Tu fais un chronomètre et en 3 minutes, tu fais ton maqué. Mais vraiment, elle les fait grave dans. I know. Mais maintenant, j'en prends plus du tout. Mettez un pouce si vous en voulez un. Hein. Genre là j'étais déterre à faire une vidéo un peu plus posée, genre où on parle un peu. Plutôt que toujours les vidéos bien chronométrées, parce que moi je suis vraiment une personne très... Pas ordonnée, mais voilà quoi, t'as compris. Moi mes pires anecdotes gênantes, elles sont toujours en rapport avec YouTube, genre... Truc là, je t'avais pas raconté une fois. J'étais dans un café avec une pote, et genre... y a un mec, il est venu voir, il était un peu loin, et il fait « Ah c'est toi Coco Liner, je peux faire une photo ?» Moi j'étais en mode « Oh mon dieu, genre j'étais en train de boire mon petit verre tranquille au bureau avec ma pote. » Et là le mec il me demande devant tout le monde de faire une photo, moi j'étais en mode... C'est quoi cette musique? Elle est pas grave ambiante. C'est tout un art de mettre du mascara. Ouais, le stress est à son comble. Viens Coco. T'en bats les couilles mais comme jamais. Bah alors bébé. Coco, tu veux une friandise? Tiens Coco. Tiens vous. Tu prends? Ah mon pull! Bon, on va essayer de vous trouver un peu des affiches, des trucs marrants à vous montrer. T'en as meuf, non? Des vidéos, des trucs comme ça. Bon alors, est-ce que t'as trouvé des vidéos gênantes? Oui. Donc on a une... En fait, en gros, on est toutes les deux dispensées de piscine. Du coup, on fait toutes les deux muscu. De 18 à 19h. Super. La dernière vie. Mais je suis gênante. Hein. T'inquiète bébé. J'assume pas. Bon, bah voilà, nous avons fini la muscu. N'est-ce pas, j'aime? Sur ma tête.
Quoi. Toi t'es là en mode mais j'en bats les couilles de ce que tu racontes, ma mère m'a appelé. Rentre à la maison. Ah j'ai dit rentre. J'ai une dégaine, j'ai mon petit jockey. Allez, un peu. Elle est gênante avec ses zooms. J'en ai une autre, assez gênante de Marina. Non, non. Est-ce que vous voulez voir une vidéo de Marina qui essaie de dresser sa chienne? Je vous jure, c'est tout. C'est genre marrant, elle essaie de lui faire des petits checks. Vas-y, monte la vidéo. Mia, assis. J'assume pas ma voix là, ça va pas du tout. Assis. Trop chou. Mia, check. C'est bien, check. C'est trop fort. C'est trop mignon. Ah, ça, je kiffe, j'aimerais trop faire. Moi, c'est pas trop le même level avec mon chat. La vie est dure, hein. Coco. Super. Il s'en fout, moi. Go mettre un rouge à lèvres rouge maintenant. Moi, je suis pas dédère là, je sais pas. Putain, mais il était pas taillé. Super. T'as pas un crayon. T'en auras un tout neuf. J'ai encore des traces de bronzage. T'as encore des traces de bronzage? Ouais. Bon, alors, moi, je peux te dire là, je les cherche encore. Hein. Et on était hyper bronzés. Coco, il a envie de sortir, non? Bah, attendez, j'arrive. Coco. Putain, il court en plus, j'ai vraiment. Encore en mode, on l'a maltraité, tu sais. Montre. C'est bien. J'aime bien la couleur, hein. Faudrait que je le remette un peu quand même, à la base. On a trouvé une anecdote pour vous. On va finir cette vidéo avec une anecdote très gênante. Surtout pour Marina. En gros, on faisait un petit bac. C'était en AP. C'est pas bien. Oups. Faut jamais faire ça. Ne faites jamais de petit bac, c'est une alerte. Mais en gros, on en avait déjà fait et tout, et voilà, mais on essayait d'être un peu discrète, tu vois. Et ben en fait, on a fini ça par se faire choper. C'était mon cas. Plusieurs fois, elle nous distribuait des feuilles, tu vois, la prof. Et en fait, on avait notre petit bac en dessous, et elle l'avait jamais vu. Enfin, on pensait qu'elle le voyait pas, et puis un jour, en fait, elle l'a vu. Elle a pris celui de Marina. Et là, en plus, j'avais tout bien décoré. Elle avait tout bien décoré, elle avait mis des petits lumières et tout. Et là, elle l'a montré devant toute la classe, elle a fait Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? On était en mode. Moi, j'ai pris la petite feuille en mode pas du tout solidaire, j'ai pris mon truc et je l'ai mis dans mon sac et elle m'a rien dit. Moi, je me suis fini. Comme si Marina faisait des petits bacs toute seule. Petite morale, ne faites jamais de petits bacs en cours. C'est une très mauvaise idée. Moi, si tu me laisses, j'ai mangé tous les cookies. Hein. T'as mangé tous les cookies? Non, ça va. T'aimes bien celle-là? Ça, je l'adore. Elle, j'aime. T'as celle qui boit pendant tout le long et celle qui bouffe pendant tout le long. Attends, elle sait faire des roues sur commande. En fait, de base, je sais pas roter. Vas-y, montre juste comment tu fais. Non, j'arrive pas. Voilà tout le monde, la vidéo est maintenant terminée. Marina qui bouffe comme d'hab. Ah, je vois les miettes qui tombent sur mon lit, je vais la tuer cette enfant là. Donc voilà, en espérant que ça vous a plu, que ça vous a un peu amusé, même si c'était une vidéo un peu inutile, on s'est bien amusé. J'espère. Bref, on vous fait plein de bisous. Si vous voulez revoir Marina dans une nouvelle vidéo, dites-le nous en commentaire et mettez des pouces. Bisous. Bisous. Gun, niggas like, man, that's what everybody said. Go and pop the trunk and everybody dead. Everybody scared of the nigga, aware that the nigga is better. All my bitches pick of the litter, never bitter. Niggas is fake anime. Me, I never hate, can take like anime.